Et on se réveille. Mon dieu, le temps. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc, bienvenue en enfer, épisode 4. Non, je... Ça fait beaucoup d'épisodes où on est en enfer tout le temps. Donc, nous sommes toujours à la vallée de la rivière Calme, qui est au-dessus de Milton. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes ici. La rivière Calme est là. Nous sommes ici à peu près. Je pense qu'on devrait... On devrait peindre. Je sais pas si on peut peindre de là. J'ai envie de mettre allumage de feu. Nourriture et boissons. Terrain de chasse, matériaux. Stockage. Stockage, ça va être la maison, en gros. Stockage pour nous, hein, je veux dire. Pour nous, ça va être le symbole de la maison. On peut dessiner là. Non, on peut. On peut dessiner à l'intérieur. Non, on peut pas. Oh. C'est pas mal, là, comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, vu de l'extérieur. Mais au moins, c'est fait. What? Faible visibilité, donc du coup ça marche pas, c'est ça? Super. Bon, on a 0 degré. J'ai pas vraiment envie de sortir parce que sinon on va avoir froid et il y a du vent, donc on va pas pouvoir faire de feu. Donc du coup on va prendre son mal en patience et on va simplement attendre, je crois. Il n'y a pas grand chose à faire. Parce que si on sort, on va avoir froid, donc, comme j'ai dit. Mais il y a trop de vent pour du feu, sûrement. Surtout qu'il n'est pas protégé, le feu. Donc à la limite, j'ai envie de... de pas bouger. J'ai envie d'attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lire une heure, on peut coudre... J'ai envie de dire, on a peut-être besoin du tissu. Donc quand j'ai dit qu'il y avait les... Parce qu'à un moment, quand on est parti, j'avais pensé à prendre plus de tissu. Et je me suis dit non. Parce qu'il y a déjà les choses qui... les igloos, voilà, ils appellent ça des igloos. Mais au final, les igloos, il faut les réparer. Enfin, il faudrait quand même pouvoir les réparer. Donc du tissu est utile. Le tissu est très utile ici. Ouais. On va juste lire. Mais ouais, le tissu est très utile. Il fait encore plus froid. C'est bizarre qu'on baisse alors qu'il fait 0 degré. Dans un sens, je peux comprendre à la limite. Par contre, je voudrais bien que ça soit dessiné, quoi. Comment on fait pour le dessiner? Enfin, pour le redessiner. Je suis obligé de le redessiner ou... Peinture effacée. Occupée par un autre repère effacé. Parce que je veux qu'il soit sur la map en fait. Ok, là c'est bon. Bon, on va voir un peu ce qu'il y a dehors. Bon, là, maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de vent, donc on peut un peu s'aventurer. Ok, on va aller voir là-bas. On va prendre du bois aussi. Je regarde s'il n'y a pas des loups qui traînent. Ça gueule beaucoup. Hein. Ça gueule vraiment beaucoup.
Ouais, là, la carcasse. Je sais pas si on peut descendre et remonter. Il y a ce bois là peut-être. Je suis pas sûr. Ok, là-haut. On va aller voir. Il fait pas extrêmement froid, donc à la limite on peut faire un feu. Pour dépecer. Ah, me dis pas qu'il faut passer par là. Ah, quelle saloperie. Ouais, il faut passer par là. Ah. Ok, on va lire ça après. On a trouvé la photo. Très très bon. Alors, attends. Ok, très bien. Donc il y a bien une photo ici. Il y a bien une photo. Alors je voudrais bien qu'on puisse chasser et comme ça on récupère et comme ça on fait du feu et on fait cuire. Ce serait vraiment bien. Ah là-bas il y a un bois à récupérer. J'ai envie de prendre ça aussi. Parce que je crois qu'il fait pas assez chaud pour qu'on se réchauffe. Dans l'igloo, hein, je parle. Bon, on a une mission. On a une mission. Il est où le camp là? Ah, il est. On va voir si on peut se réchauffer ou pas. Ok, ça va. Oh, on peut se réchauffer. Donc, nous avons une mission. Faut qu'on regarde un peu la carte. Alors d'abord, on va lire ce qu'on a récupéré. C'est celle-là. Village montagnard, ouais, ça c'est celle-là. Indication sur une vue de la vallée de la rivière Calme. Ah, regarde-moi cette vue, ça a été un sacré parcours du combattant pour arriver jusqu'ici. Mais ça valait le coup, j'ai même vu un arc-en-ciel, N. Waouh, comment t'arrives à lire ça? Waouh, on dirait l'écriture d'un docteur qui a trop bu et qui a balancé sa bouteille sur... Enfin bref. Donc c'est ici. Nous on est là. Intéressant. Intéressant. Désolé, j'étais en train de boire un coup. Alors faut voir si on peut pas passer comme ça, mais honnêtement je serais très 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 étonné. Donc j'ai peur qu'on doive repasser par la grotte de glace. Ou alors si on trouve peut-être un chemin là qui monte comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors... Maintenant, il faut décider. On se réchauffe comme ça petit à petit. Ou on chasse. Il faut qu'on regarde un peu nos réserves. On a que ça. Il va falloir qu'on chasse. Pourquoi on est aussi lourd? Ah oui, parce qu'on a du bois.
Je suis en train de me demander en fait où on fait un petit camp, genre ici, donc comme j'ai dit, on chasse. On chasse. Ou alors, on part, mais bon. Mais bon. Il était là le cadavre. Je crois que dans ma tête, j'ai la carte un peu tournée en fait. Parce que pour moi, là, c'est l'arrière, mais en fait, c'est pas l'arrière. Genre là, la montagne là, qui est sur le côté là, c'est ça. Donc nous, on est dans ce sens-là en fait, je crois. Quand on est allongé dans le camp, on est dans ce sens-là. Genre les pieds là et la tête là, je crois. Mais comment on atteint ça? Je sais pas comment on l'atteint. Va falloir se repérer avec le cadavre. Faut qu'on retourne au cadavre. Qu'on retourne au cadavre et qu'on regarde. Ouais, il faudrait y retourner au cadavre. Ouais. Bon, on va essayer déjà de chasser. Ou alors d'aller récupérer de la viande en bas là. Attends, merde aussi. Ah là, peut-être. Ok. Ok, on a l'air d'être bon. On a des massettes. Très bien. On va faire un feu. C'est pas une grotte. Non. La différence de couleur du... On va faire du feu ici, on va se réchauffer, on va faire cuire la viande aussi. Et on va manger la viande et on va prendre des massettes aussi. À la limite, ce serait pas mal de récupérer plein de massettes ici. Je crois que ce serait une bonne idée. Ça nous éviterait de voir... devoir faire à manger tout le temps. Ok, on est bon. On va juste dessiner avant pour être sûr que le temps change pas. Ok, donc on est là. Oui, donc là c'est la montagne où il y avait le cadavre. Et bien maintenant il fait jour, donc on peut utiliser le... Ah, on peut utiliser le... Comment ça s'appelle? La loupe. Attendez. Très bien. Voilà, très bien. Je voudrais voir s'il n'y a pas des lapins ou des trucs. On va prendre les massettes comme j'ai dit déjà. Un truc qu'on pourrait faire, c'est prendre la peau. J'avais dit qu'on pouvait prendre la peau aussi. Des cerfs.
Ouais, quand on va revenir, on va essayer, on va prendre la peau. Oh. Donc là, il y avait le cadavre. Corde là-bas. Ce serait peut-être l'endroit. Je crois qu'on a déjà dessiné cet endroit. Ok, donc là c'est ça. Là on regarde là en fait. Donc nous, on doit aller là-bas. Ok, donc ça... Pardon. Ça, ce qu'on voit là, c'est cette direction. Une grotte de glace. Non, okay. Là, on regarde de ce côté-là. Donc c'est un peu sur notre gauche. Donc c'est là-bas. Mais j'ai peur que ça soit en hauteur en fait. Genre là-haut, par exemple. Genre tout là-haut. Pour aller dessiner, pour aller faire la photo. Mmh. Bon, par contre, il y a une grotte. Genre, juste au cadavre. Je sais pas trop. Peut-être de l'autre côté. Bon, on arrive un peu à se repérer, c'est bien. À moins que je dise des bêtises, hein, mais normalement c'est ce que... Enfin, normalement j'ai raison. Normalement j'ai bon. Alors s'il y a d'autres choses de ce côté-là. Ok, on a une corde là. Ah, il y a une grotte juste devant. J'ai l'impression qu'on va manger beaucoup de massettes. Ça nous évitera d'aller chasser à chaque fois. Oups, pardon. Oh, il y en a plein. Il y en a plein du charbon. Faut qu'on aille récupérer nos viandes, elles vont brûler. Donc on peut dormir ici. Faut que je regarde la map après. Faut qu'on fasse un tri dans notre inventaire aussi. Merde. Ok, donc la corde, là on peut dormir là. Intéressant, intéressant. Faut bien planifier en fait notre excursion. Comme ça on perd pas de... Comme ça on se met pas dans des problèmes. Parce que la dernière fois on y allait un peu... C'était nouveau, on a été un peu surpris par l'endroit. Donc... Faut pas le refaire, faut pas refaire la même connerie. Ok, bon bah là on est bon pendant un moment avec... avec tout ça. Ah merde. Bon bah voilà, ça c'est bien. Je peux pas m'abaisser, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis bugué. Ah voilà. Bon bah bien joué, on a perdu la viande, c'est bien joué.
40 minutes. Ok, 32 minutes. Attends, on a perdu la viande, quel con. Je pensais vraiment qu'on avait le temps, mais apparemment. Ok, le temps se gâte. Alors. Donc nous, on est là. Donc là, il y a une grotte. On peut se cacher, on peut se reposer. J'ai envie de... J'ai honnêtement envie de mettre dans la grotte, en fait, la peau. On a laissé quoi en haut ? On a laissé quoi en haut ? Parce qu'en haut, c'est pas très très safe, en fait. C'est pas extrêmement safe, donc à la limite... Pourquoi pas jarter ce camp et le faire dans la grotte en bas, là. Ça, c'est pas loin, en plus. C'est vraiment à côté. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas bouger tout là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre on peut pas l'effacer en plus. Si on fait ça. Objet gelé. J'ai un bug. Je peux pas bouger les objets. Je crois que j'ai bugué en fait en récupérant la viande. J'ai un bug. Je peux pas faire clic droit sur les objets en fait. Ah vous voyez, j'ai quelque chose dans les mains en fait tout le temps. Qu'est-ce que... Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là. Bon, ça on peut pas l'effacer du coup, on est obligé de le faire de l'intérieur. Moi ce que j'ai envie... Allumage de feu. Genre ça, on l'efface. Allumage de feu. Ok. Bon, très bien. Les chaussures, on les prend avec nous. Ok. Maintenant, on redescend. Et on va s'installer à la grotte là-bas. Ah oui, il y a le bâton, ça a bugué, ça a bien bugué en fait. Parce que... Ok, ça c'est bon, ça va brûler. Je voudrais bien prendre le charbon en fait. On va bien prendre le charbon. Donc on a un nouveau cache-oreille. Alors, je vais être honnête, j'ai pas envie de le mettre. J'ai vraiment pas envie de le mettre. Parce que j'ai peur qu'il casse si on se fait choper. Donc, ça c'est tellement rare.
Je crois que pour le moment, on va le garder de côté, ok? On va pas le mettre, on va pas le mettre. C'est, j'ai pas envie qu'on se le fasse déchirer. Si on se fait jamais si on se fait attraper. J'ai vraiment pas envie. Bon, on a plein de massettes, ce qui est bien. Bon, il y a encore des braises. Est-ce que ça a changé? Il faut toujours 50 cailloux, là? 50 pierres, ouais, c'est bon. La chose qu'on fera jamais, c'est bien. C'est long, hein? Parfait. Voilà, 4. Bon. On est bon, on est bon. On n'est pas très loin de la sortie. On a de la nourriture, de l'eau. On a un coin tranquille. Je sais pas si les loups peuvent venir là ou pas. Donc ça va, c'est plutôt bien. Faudra aller voir après de quand ça continue. Normalement, si on part de ce côté-là, on retourne chez nous. Par contre, ce feu, il est un peu embêtant parce qu'il est mal placé. On est lent à l'arrière des grottes. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce système là. Jusqu'au moment où on se réchauffe, en fait, on est lent. Genre là, on va avoir froid. Hop, et là, on reprend notre vitesse normale. Alors que quand on commence à avoir chaud, hop, on est lent. Je comprends pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre la logique, en fait, dans leur système. Ok, très bien. Ok, très bien. Alors, on avait dit... je crois qu'on a un loup au-dessus de nous. Je dirais. Je dirais qu'il est au-dessus de nous. Alors. Mais attendez, on va faire ça en fait. Stockage. Oh, on peut pas faire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Fouiller, allumage de feu, premier secours. Nourriture et boisson. En fait, ça serait allumage de feu, ce qu'on va laisser. Ouais, non, stockage, on va mettre d'autres objets. On va mettre stockage. Genre, là. Voilà. Ah, il fait pas froid. J'ai l'impression. On la garde sur nous. Là, on fera un feu. Là, on peut dormir. Alors, on va poser ça aussi. On n'a pas besoin de deux. La torche, on la garde. Alors, ça. Oh, c'est vrai que ça peut sécher à l'intérieur. À l'intérieur des grottes, ça peut sécher. Ouais, je crois qu'il est juste là. Si le son est bien fait dans le jeu, normalement il est juste au-dessus de nous, il est juste là. Ok. C'est très bien. Ah, j'avais dit qu'on ferait le feu là, mais c'est pas grave.
Y'a qu'à faire ça comme ça. Voilà, là on est très bien. On est très très bien même. On va pas tout boire, on a encore 25 massettes. Il va nous falloir de la viande et tout ça de toute façon. Bah, de toute façon il y a un loup qui traîne, donc lui il va y passer. Alors réparer. Ah, il va bientôt faire nuit. Très bien, c'est à 100%. On va pas le mettre. J'ai envie, hein. J'ai envie, mais de toute façon, il est gelé, donc on va le garder dans l'inventaire, parce que ça va pas vraiment nous aider, hein, ce 0-3. Donc, on attendra. Mais, ah oui, il y a les chaussures aussi. Chaussures, c'est en chaussures de cuir, hein. Pour les détruire, il faut... Genre une heure et quelques. Yes, ok. Non, recycler. 1h30. Ouais, normalement ici elles vont dégeler, je crois. On pourrait même poser le cache-oreille. Alors maintenant j'ai bien envie d'aller dire bonjour au loup. Je sais pas par où on passe en fait. Alors est-ce que c'est vraiment que par la corde? Je crois qu'il est là-haut, hein. Moi je dirais qu'il est là-haut. On commence à faire nuit. On va dessiner la corde parce que c'est un très très bon repère pour la map. Même si j'aimerais bien être en hauteur. Mais c'est un très très bon repère pour nous. On aurait pu même juste faire un spray, mais bon, c'est pas grave. Il y a un loup là-bas. Ok, on va essayer de la pâter. On va essayer de la pâter vers nous. Vers chez nous. Ok, très bien. Parfait, j'espère qu'on va pas se louper. Ok, donc là, c'est la corde. Non, non, la corde elle est là. La grotte elle est là. Encore des massettes. Est-ce qu'on peut le perdre? M'étonnerait qu'on puisse le perdre comme ça. Bon, ça va être l'heure de vérité. Apparemment. Merde! Fais chier. On a froid en plus. Reviens vers nous, reviens vers nous. Eh merde. Oh, où tu vas, mec? Il revient, il revient, il revient. Ok, très bien.
T'as à peine 3 kilos de viande. Ah, tu te foutage de gueule. Y'a pas une grotte à côté? C'est le choix du charbon. Non. Bon, on rentre. On va aller dormir. Bon, on a eu un loup. C'est que 3 kilos de viande, c'est pas énorme. C'est pas très loin. Donc ce qu'on va faire, on va dormir. On va pas faire de feu, rien aujourd'hui. On va dormir. Parce que de toute façon, on est dans la grotte, on n'aura pas froid. Et demain, enfin à la levée du soleil, on va sortir, on va voir s'il fera bon. Et on fera un feu à côté du loup et on cuira la viande du loup. Et cette fois, on essaye de pas se louper. De pas gaspiller la viande. On va utiliser ce système là de se mettre accroupi quand on a une certaine distance des loups. Un peu plus souvent, parce que j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. J'ai envie de dire. Ils ont l'air de nous oublier en fait. Donc je dis pourquoi pas. Il va falloir qu'on répare notre sac de couchage à un moment ou à un autre. Par contre, pas la place. Très bien. C'est pas mal comme camp là. Non? C'est pas beau? Alors. On va dormir un nombre maximum d'heures. On va essayer de récupérer le plus de vie possible. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Alors ça, comme j'ai dit, on va pas le porter. Normalement, il va dégeler quand on va dormir, donc ça va. Enfin, on fera de l'eau aussi demain. Quand on fera cuire le loup. Quand on fera cuire le loup, il faudra quand même faire au moins 2 litres d'eau. En plus de cuire la viande. Et ça sera bien. Ce qui est bien avec les massettes aussi, c'est que ça fait pas baisser votre eau. Ça, c'est vraiment bien. Ça donne pas soif, en fait. Vous avez vu que certains aliments en fait donnent plus soif que d'autres. Et ben les massettes non. Voilà, 31 kilos vu qu'on a tout. On a tout laissé, très bien. Alors, attendez. Ouais, on est bon. Ah, c'est plutôt safe, hein. J'ai envie de dire. C'est plutôt... Ça va. Ça va, ça va. C'est assez safe. Elle est en pleine forme. Il fait froid, froid ou pas? Ouais, il y a du vent et tout. Ouais, on va pas vraiment pouvoir sortir et prendre la viande de loup. Voilà, maintenant elles sont juste humides, les bottes. Ça aussi, maintenant ça marche. J'ai envie de les prendre, les bottes, et les détruire, passer 1h30. Le temps d'attendre que le fasse jour, quoi, en fait. Ah, très bien. Après, il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement. Alors à la limite, on pourrait faire un feu maintenant,
mais ça va nous faire utiliser une allumette maintenant et après plus tard vu qu'on va faire cuire le loup. Donc je dirais que c'est du gâchis. Je dirais que c'est complètement du gâchis, donc on va pas le faire. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau en fait. On n'a pas beaucoup d'eau. On a par contre ça, hein, mais bon, voilà. On arrive sur la fin. On va lire encore une heure et après on va dormir une heure, je crois. Non, dormir 2 heures. Il devrait faire jour. Avec de la chance, il n'y a plus de vent aussi. Waouh! C'est bien. Ah bah encore heureux qu'on a cette grotte, hein. Encore heureux qu'on n'est pas... On n'est pas en haut, là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu et de l'eau et tout ça. C'est du gâchis d'allumettes. Après, on en a trouvé dans des nouvelles, donc bon. J'ai envie de dire. C'est pas vraiment du gâchis, vous voyez ce que je veux dire? Comme j'ai dit, de toute façon, on a le fire steel et tout, hein, et puis on a plein d'allumettes, on en a là, on en a encore au camp, on a encore à... Oh. Come on, little fire. Wow. On a encore au lac mystère. Enfin, voilà. On n'est pas à court, quoi. Donc à la limite, c'est pas très grave. Puis s'il fait bon, on peut récupérer la viande et venir ici et la faire cuire. À la limite. On pourrait faire ça. J'ai envie de faire pas mal d'eau ici. On va faire 2 heures de feu. On va reposer... On va reposer ça là. Voilà. C'est pas mal hein, comme camp. Je trouve ça plutôt cool moi comme camp. Bon bref, faut faire de l'eau. Je suis en train d'admirer mon camp, je fous rien. Pardon, pardon. Ah merde. Ah merde. Voilà. On va en faire un peu d'abord parce qu'on a soif. À 10 minutes. C'est vrai que j'avais dit on peut peut-être survivre sur les massettes. Alors oui on peut, mais vu qu'on essaye de garder le bonus, c'est vrai qu'au final, bah du coup, ça part vite. Voilà, ça part quand même très vite les massettes. J'avoue, je pensais pas à ça. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire en fait en attendant, mais je crois qu'il y a vraiment rien. On pourrait toujours allumer un feu et genre allumer celui-là en face, vous voyez, pour faire monter de niveau.
Mais bon, j'ai pas vraiment envie de m'embêter à faire ça. Surtout que ça va utiliser des petits bouts de bois, donc bon. On est déjà à allumage de feu 4. Pas besoin de forcer la chose. On va boire ça. On prend ça. Ah, très bien. Bon bah voilà, on va rester là. Il est à combien de pourcents ce truc là? Le sac de couchage. Et ça avant de partir, comme j'ai dit, vu qu'on a abattu un ours et qu'on laisse la peau sécher, il faudra le faire le réparer. J'allais dire faire cuire. Genre, il faudra faire cuire le sac de couchage, ok? Non, il faudra réparer le sac de couchage. Vous vous rappelez, j'avais expliqué que à chaque zone, avant de partir de la zone, on répare les choses avec les pots qu'on a récupérés. Ça, c'est vraiment une bonne chose à faire. Il y a encore du vent. Mais ça s'est un peu calmé. Ah, il fait froid. Après, je serais pas contre forcer un peu la chose, genre prendre la viande au couteau, comme ça on va vite. Même si on a un peu froid, après on rentre et on fait cuire. Vous voyez, on peut faire ça. On peut faire ça. Hop là. Alors attendez, parce que là, de l'eau, on doit en avoir beaucoup. Voilà, je pense que ça passe. D'accord. Ça. Il est où le vent? Il est en face ou il est sur de la droite? Je crois qu'il est en face. Vraiment cool. Oula, on va avoir froid. On a intérêt de faire ça au couteau. On a intérêt de faire ça au couteau. Je sais même pas si on... Je crois qu'on va prendre 2 kilos de viande et on va partir. Ok, let's go. Ok, honnêtement, on va prendre le reste. C'est pas grave. Toujours ce bug qui a pas été corrigé. Qu'on se baisse et qu'on se relève. Enfin non, qu'on sort du fait qu'on découpe la carcasse là. Oui, non, il fait pas extrêmement froid, ça va. On a perdu un peu de vie, mais on va la rattraper cette nuit, de toute façon. J'étais en train de me dire, on voit quand même beaucoup de cailloux hein, sur le chemin. Mais... un caillou, c'est... Une pierre, c'est 0,15. Donc 0,15 fois 50. C'est trop, en fait, à réunir. C'est vraiment trop. Là, il y en a 4, 3, 4, 5...
6-7, enfin voilà, on pourrait faire un truc, hein. On pourrait faire un dôme, hein, mais 50, non. C'est trop. C'est largement trop. Voilà. Bon, ben voilà. Bon, ben on est bien. Et on est tranquille. On est tranquille, on a récupéré quelques massettes. Très bien. Oh. On a encore deux, on a... Ouais, on a un nouveau paquet d'allumettes. Eau non potable, 26 minutes. Ouais, il y a le tissu, on aurait dû en prendre plus. Hein. On aurait dû vraiment en prendre plus. Il n'y a rien d'autre à faire. Ah oui, tiens, c'est vrai qu'on peut... J'avais oublié de faire ça. Toujours en préparer au cas où. Là j'aurais pu en boire et partir, mais bon, pas pensé. Quoi qu'on pourrait peut-être aller plus vite comme ça. Ah oui, mais moi j'aime pas faire ça. On va faire comme ça alors. Un cuir. Ça va plus vite. 38 minutes. On va lire. Il y a vraiment un temps de merde. Hein. Une heure 16, on aurait pu vraiment le laisser dedans en fait. Ah, il y a le feu. Faut alimenter le feu. Oh mon dieu, le con. J'avais légèrement oublié d'alimenter le feu. Est-ce qu'on peut faire du... Bientôt faire nuit. Fait pas froid. Fait pas froid, mais on est fatigué. On va manger ça. On va manger ça. De l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Prendre le charbon. 35 kilos. Ok. On va le prendre sur nous parce que ça fait peur au loup quand même. Okay. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va aller explorer vite fait parce qu'il fait pas trop froid. Est-ce qu'on prend la corde ou pas? Honnêtement, j'ai pas envie de prendre la corde parce qu'on est vraiment, on est quand même pas au top. Je sais pas trop. Ça fait haut quand même, hein. Ça fait haut. On va pas la prendre maintenant. On va la prendre la prochaine fois. Ouh la vache. La prochaine journée. Je vais d'abord me balader. On va un peu aller un peu plus loin que la chute d'eau. Ou même remonter là sur le bois là. Voir ce qu'il y a un peu, et après on rentre. On rentre à la grotte et on va dormir. Ça
ça me paraît être une bonne chose. Et on va prendre des massettes. Et on est déjà venu là, non? Oui, parce que c'est pas nouveau ça. Donc là, on rentre en fait. Oui, je reconnais. Normalement, il y a un bout de bois, non? Qui fait un pont. Oh, il y a des lapins. Genre, là, à gauche, je crois que c'est pour revenir. Chez nous. Ok. Oui, c'est ça, le bois. Le bois pont. Oui, on était passé par là. Ah, on a fait un tour en fait, c'est intéressant. Même si c'est con hein, de le faire en contrebas, enfin le faire en bas, comme ça, c'est pas très très efficace. Hein, mais au moins ça me permet de me repérer en fait. Bon, on a les deux lapins. On va continuer les massettes, très bien. Très bien. Ok. On est pas mal. J'ai envie de dire, on est pas mal. Je pense que là, on a fait une bonne aventure. On a trouvé pas mal de repères. Et on a trouvé surtout la photo, ça qui est important et intéressant. Donc, le lendemain, ce qu'on fera, c'est prendre cette corde et aller dans cette direction là, je crois. Et on va essayer de prendre, de trouver le chemin pour aller à l'endroit du Polaroid. Là on a des lapins, on va les dépecer et tout ça, on va tout mettre dans la grotte, ça va être très très bien. On aura un peu de viande, on va devoir refaire un feu. Je sais pas si on va faire un feu maintenant ou... Voilà, très bon. Très très bon. Ouais, donc là on retourne en fait chez nous. Genre si on continue comme ça, là il y avait le pont avec le bois là, l'arbre couché. Donc il faudrait remonter par, je sais pas vraiment où, là et après faire ça, ou alors là et après on revient. Et après on repart chez nous. Donc honnêtement c'est très safe, on n'est pas, il n'y a pas vraiment de problème. Donc on a fait tout ce chemin déjà, alors que le Polaroid il est encore moins loin. Donc faut vraiment trouver un moyen en fait de monter. C'est ça le problème, c'est de monter. Donc moi je pense que pour la prochaine fois on va prendre la corde et on va faire ça. Peut-être que ça passe, peut-être que ça passe. Ou alors par là. Non, 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 ça suit comme ça le canyon. Là on peut pas monter en fait. Nous on est là, on peut pas monter ici en fait directement. Nous on est obligé de suivre à chaque fois. Donc ouais, la corde est peut-être comme ça. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Je dis ça, mais je suis pas sûr, mais ça peut être
une bonne direction à prendre. On va faire les lapins. Non, attendez. On est bon en calories, en boissons. Ah là, c'est de l'aventure, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'aventure comme ça. Ça fait assez longtemps, j'avoue. Alors, ça... ça à cuire. Après il y a la peau aussi. Ça on va la détruire. Très bien. Ça va, séchage, très bien. Ça nous fait un bon épisode. Là, j'avoue que c'est un bon épisode d'aventure. Ça, c'est cool. Ça nous fait un très bon épisode. C'est bien passé, beaucoup mieux que l'avant-dernier. Ok. Séchage, et ça, faudra le faire cuire. On va devoir remettre le sac de couchage, oui. C'est ce que j'avais en tête. Ok, donc ça c'est bon. Oh la vache. Elle nous fait un super camp, c'est abusé. Quand ça a plein de trucs. Et après on rentrera donc avec la peau du cerf, les bois et les peaux. Ouais, les trois peaux, les bois, les boyaux on n'en a pas besoin. Enfin, faudra voir si on trouve encore d'autres choses, je sais pas trop. On va voir. Pour l'instant, oui, c'est vrai qu'on n'a pas plus que ça en fait. Si je dis pas de bêtises, on n'a rien d'autre en plus. Il n'y a que les massettes, mais bon, les massettes, c'est pas très lourd. Voilà, ça c'est fait. Il faudra faire du feu et faire cuire la viande, et comme ça, on peut partir. Donc, j'ai envie de voir si on peut pas lire une heure encore. Et après, on dort. Ah, très bien. 2 litres, on va prendre 1 litre. Voilà. On a que deux Reishi. On prendra les deux qui sont là, on va pas les laisser. Que faire d'autre? Bah rien, on va juste dormir 10 heures. Et quand on se réveillera, donc pour le prochain épisode, donc ça sera ça. On fera cuire déjà la viande qu'on a là. Et on fera peut-être un peu de feu, ça dépend en fait le temps. Et après, une fois qu'on pourrait partir, donc on est là. Donc nous on regarde vers cette direction. L'ouverture elle est là, de la grotte. C'est où c'est qu'il y a le marquage. Donc on va prendre la corde. Et on va passer là. Et avec de la chance, on pourra faire le tour et aller... la vue de la vallée de la rivière calme. Et si jamais on peut pas, ça va être embêtant parce que ça voudra dire que faut peut-être faire le tour comme ça. Peut-être. Non, ça va être embêtant. Si on peut pas, ça va être embêtant. On va voir un peu. Mais bon, voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on partira. Ça sera un peu notre, c'est un peu notre but en fait de la zone. Notre but. Ouais, c'est honnêtement notre but. Et puis après on partira et puis voilà. Et on aura fait la zone, grosso modo. Je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez, dormons. Dormons. On est en sécurité. Le sac de couchage commence à être assez usé. Parce qu'avant, on était à 13 degrés. Maintenant, on est à 9,7.
Donc ça part vite quand même. À la prochaine, ciao ciao.